Bonjour les gens. Bonjour les gens. Vous avez vu, on a sorti aujourd'hui. C'était pas voulu, mais oui. Mais bon, moi j'ai même le calbut rouge. Pas Wurtz. Oui, pas rouge. À l'attention de YouTube. La musique vient de l'autoradio. C'est un CD qui tourne. Regarde. Ça s'appelle une compile. Oui, je confirme. Alors ça, c'est juste pour la petite mise au point. J'ai déjà acheté le CD. Et quand je travaille en musique. Oui, il y a de la musique derrière. Mais c'est pas pour la musique. Non, c'est juste pour l'ambiance. C'est pour l'ambiance. Parce que je travaille en musique. Ouais, voilà. Je confirme. Voilà. Ça fait bouger, quoi. Ah oui. Parce que si tu savais combien affiche le 4x4, t'as intérêt à changer le moral. Alors, on est là pour ça. Voilà, on va démonter ce petit arme. Alors j'ai commencé, hein. J'ai pris la petite perchounette. J'ai coupé ce qui était là, qui est là. Alors c'est dans les fils télécom. Ah, ils sont pas contents les messieurs dames. Faites attention si vous faites ça, parce que si vous désarmez les poteaux, elle est belle hein. Et elle danse. Je vous disais, faites attention parce que si vous désarmez les poteaux, c'est pour vous. Alors ne désarmez pas les poteaux. On va commencer par couper celles qui sont au-dessus et qui risquent de tomber sur les câbles. Après on va alléger les branches de façon à relever la tension sur les câbles. Et après on va couper, on va finir de foutre par terre. Allez au boulot! Alors, on vient d'aller voir la température. Ça affiche 34. Ça y est, t'as la flamme? J'ai chaud. Voilà, on va monter là. Là-haut, vous allez couper petit. Donc Nuno va vous le faire voir d'en bas. Ça va être plus simple. Ça va pouvoir se mettre là-bas. Et que si c'est moi qui filme, vous allez être face au soleil. Aussi. Bon, on s'y jette avant qu'il fasse 39. Allez, moi je me déplace pour me mettre là où vous n'aurez pas le soleil en pleine poire. C'est toi! Je me suis mis sur le trottoir en face pour pas gêner les voitures. Puis comme ça, il voit mieux. Tombe pas avec l'arbre, hein, parce qu'il fait des bruits suspects. Tu prends ta perche? Ok. Vous saviez ce que je vois de là? Mais il fait chaud, hein, je ventile. Ah, tu ventiles. J'ai même pas envie de travailler, moi, je vous le dis. C'est trop chaud pour travailler. Alors, c'est dans les arbres les plus faciles qu'arrivent les plus belles conneries. Bah oui, parce que comme il est facile, on fait pas attention. C'est ça. Soyez vraiment prudents dans ces arbres-là, ils vous paraissent petits, ils vous paraissent simples à faire. Et c'est là qu'on perd l'attention et que forcément... On en fait une. À 90% du temps, c'est ça qui arrive. Donc là, on va laisser les branches en dessous et on va couper les branches du dessus. Alors je vous fais un petit peu de méthodologie, je peux vous la réclamer. Mais je ne vous ferai pas de méthodologie en élagage pur et en rétention. Là, si vous tombez, vous tombez de 4 mètres. Ah bah. Quoique... Le petit courant d'air, tu le sens? Je le sens bien, ouais. Eh, hey, vous savez ce qu'elle fait? Elle me dit, oui, le petit courant d'air, tu le sens? Je lui dis, ouais, je le sens bien. Et elle soulève le t-shirt. Ben oui, pour le sentir. Ah, d'accord. Les pauvres, ils ont chaud. Faut les aérer. Ah bah oui, pauvre bête. Pauvre bête. Laté, laté. Laté. Tu cherches à leur montrer la connerie? C'est pareil, tu travailles intelligemment. T'essayes? Ouais, t'essayes. Cette branche-là, je l'ai laissée plus haute, justement pour pouvoir guider celle-là. Comme ça, elle s'est appuyée dessus, elle a glissé, elle est tombée de ce côté. Ça évite de t'en foutre là-bas. Ça, c'est gentil pour moi. Et ça évite de s'approcher des fils. Aussi. Tu travailles ta tête en faire travailler tes bras. Et pense à celui qui est au sol. Si tu peux tout mettre dedans, ça évite de faire le tour. Pas l'instant. Autre chose? Raté. Ah,
Joli. J'ai vu la poubelle, elle est vitée. Oh, la poubelle. Ah bon, sur la méthodologie de travail, surtout, laissez-le comme ça. Parce que comme vous avez mis les branches par terre, si vous mettez le gros par-dessus les branches maintenant, oh la misère. Et bien après il va falloir que vous bougiez le gros avec les branches au sol. Ou alors il va falloir que vous coupiniez toutes les branches comme ça pour que arriver à sortir le gros. Alors que si vous le laissez comme ça, vous prenez les oseilles, vous le mettez là, on lui met les branches dans la bouche et ça se fait tout seul. Et après vous finissez d'abattre des billes en 50, une petite pile et roule ma poule. Vous comprenez? C'est là, si vous foutez tout par terre, là j'ai coupé tout ce qui gênait, tout ce que je pourrais pas atteindre à la perche depuis le sol, vous le coupez mais après. D'abord vous nettoyez, après vous. Et si vous êtes deux comme nous, le grimpeur il reste pas le cul dans son harnais, en attendant que l'autre dessous se cogne tout, il descend et de l'autre. Ça peut être de la solidarité, parce qu'on est en fini partie. C'est-à-dire que plus vous allez aller vite, alors oui, ça vous fait monter deux, trois fois des fois. Voilà, ça tue pas. Ça entretient un homme. Donc nous, pour celui-là, on a fini. On va finir de nettoyer, on va broyer, on va machiner. Alors ça, vous êtes habitués, je vais pas vous refaire voir encore le broyage de ça. Après, je vais couper les marques qui sont en haut, un coup au pied, et puis sachant que bras tendu, je touche la fourche. Petit là. Dans la méthodologie, c'est ça. Et surtout, 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 prévenez quand même Télécom. Alors, vous n'allez jamais tomber sur la même personne. Sur le réseau, c'est très compliqué. Il va vous dire oui, oui. Mais au moins, il y a eu un coup de fil à Télécom pour prévenir que vous alliez intervenir sur un arbre qui touchait les fils. C'est important. Après, sur des gros arbres, demandez quand même des autorisations de travail. Quand on est comme ça en bord de route, pareil. Autorisation de travail de la mairie. Ça coûte rien, ça coûte zéro. Mais vous êtes en bord de route, il suffit qu'il y ait un pimpin qui passe au moment. Ou la branche, parce qu'il passe toujours à ce moment-là. Et après, on dit qu'il y a des accidents parce que les gens rentrent d'ailleurs. Mais moi, je vous dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que vous êtes habillé en rouge, le mec, il freine pas. Non, le mec, il passe. Donc, faites une demande d'autorisation de travail. T'as un panneau au bout de la route, marqué élagage, avec la feuille collée dessus. Il y a le panneau là-bas. Mmh. Et comme ça, vous êtes couvert. Bon, normalement, il aurait fallu trois cônes, mais pour couper deux branches, ça ne peut pas mettre les cônes. Mais pensez à mettre un panneau de travail quand vous êtes au-dessus des voies publiques, parce que quand même. Les gens savent qu'il y a du travail. Alors ils vous voient pas, ils regardent sur les trottoirs, savoir si jamais il y a un mec qui balaye, un mec qui ratisse, un mec qui. Ils vous voient jamais là-haut. C'est pour ça que nous est en face sur la route. On va dire que 9 fois sur 10 ils vous ont pas vu. Je confirme. 9 fois sur 10 ils ont pas vu le grimpeur. Pourtant, il était pas trop branché celui-là. Il était pas très haut. Hein. Et la route est longue, hein, donc on me voit de loin. Mais... Je vous vois pas. Voilà les gens. Et nous on va vous laisser, on va finir ce merdier. Parce que c'est un sacré bordel maintenant. On va boire tout ça. C'était un petit tuto gentil Alain. Et on va se mettre à l'ombre. Faites attention, il fait chaud. Travaillez 20 minutes comme si j'avais travaillé une journée. On doit frôler les 40 là. Ça c'est pareil, insistez pas, allez pas jusqu'au bout. Allez pas vous dire, je vais tirer. Parce que une fois que vous êtes mort, une fois que vous avez plus de bras, vous avez plus de jambes, vous mettez 3 jours à vous en remettre. Travaillez linéaire et vous tuez pas au travail. Ça sert à rien. Vous allez le payer plus tard. Ah oui. Voilà. Parce que c'est un métier qui tire sur le corps. Voilà. On voulait féliciter notre ami Jules. Oui. Qui a gagné la machine. C'est un Vosgien qui a 17 ans. Donc on est très 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 heureux que ce soit un petit jeune qui veut devenir grimpeur qui a gagné la machine. Ça fait très très plaisir. Ouais. Prends-en soin, fais-en bon usage. Et surtout fais attention à toi avec. Et surtout fais attention à toi. Fais pas comme moi. Mets les manchettes au début. Parce qu'au début les manchettes elles servent. Souvent. Et allez, achète les deux par deux les pères. Ouais, parce qu'une fois que t'en as entaillé une, tu peux l'acheter. C'est poubelle. Oui, hein, il fait chaud. Hein. Allez les gens, soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop. Restez à l'ombre. C'est un temps à aller faire des enfants chez la voisine. Moi, chez la voisine. Parce que t'as pas les...